Salut à toi qui nous écoutes, et merci beaucoup d'écouter Onzième art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast, et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous. Et une cagnotte est disponible sur Elo si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Salut Vincent, euh, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et un peu ce que tu fais en rapport avec euh, Nice du coup ben Salut Tom, merci pour l'invitation. Et euh, ben voilà, je m'appelle Vincent, comme tu l'as dit. Je suis supporter de Nice. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et du coup, bon, je suis un, un supporter inconditionnel du club. Euh, et depuis quelques temps, du coup, j'essaie de me spécialiser un petit peu dans, dans l'analyse tactique, le scouting et euh, tout ça autour de l'OGC Nice, forcément. Et euh, voilà, donc je, je vais aussi beaucoup voir de matchs de, des équipes de jeunes de l'OGC Nice et j'essaie de. Bah de, de commenter un peu ce que je vois, de débriefer avec les autres supporters sur Twitter, euh, voilà, de, de mettre en relation la communauté et d'échanger ensemble. Et au-delà d'être supporter et d'être en relation avec les, les, les autres supporters, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est Fred et un peu ton, euh, ton ta création de contenu autour de, de la tactique et, et de la data, justement bah, du coup, euh, oui, tout, tout, ce qui, tout ce que je fais autour de la, de la data, du, de l'analyse vidéo, euh, l'analyse aussi de, de joueurs, tout simplement, euh, bah, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis deux ans et euh, c'est en fait une vraie passion pour moi. Donc, euh, j'hésite pas à partager sur Twitter des, des analyses de joueurs que je verrais bien rejoindre l'OGC Nice. Euh, pareil sur euh, des analyses tactiques, sur des buts, des actions, des principes de jeu aussi de l'OGC Nice de Farioli. Et euh, voilà, de partager tout ça sur Twitter et, et au fur et à mesure, bah, du coup, d'avoir aussi un petit peu plus de contacts dans, dans le milieu du football. Ok, et justement, on va rentrer directement dans, dans l'analyse tactique de M. Farioli, qui évidemment est un peu la, la sensation de notre Ligue 1, qui manque peut-être un peu de saveur en, en ce début de saison, mais voilà, c'est très intéressant comme coach. Euh, évidemment, il y avait déjà des bonnes bases en termes de que Nice était la deuxième meilleure défense du championnat de la saison dernière, mais qu'est-ce que Farioli euh, en, en général fait différemment euh, de ses prédécesseurs, euh, notamment peut-être dans, dans la préparation ou dans sa mise en place tactique, sachant qu'il y a encore du 4-3-3 qui existait au club depuis plusieurs saisons. Oui, bah, Farioli, je pense que déjà il a bénéficié du, du fait que depuis la saison dernière, l'équipe type, on va dire le, le onze de départ, a très peu évolué. Puisque, euh, on a enregistré beaucoup de départs au mercato d'été, mais de, de joueurs indésirables ou qui n'avaient pas, pas réalisé une bonne saison ou deux bonnes saisons par le passé. Et euh, du coup, on a fait quelques ajustements au mercato, euh, donc avec Boga, Sanson notamment. Et c'est des tout petits ajustements bah, qui, ont, qui ont permis en fait, de garder euh, un vrai équilibre dans l'effectif, avec euh, notamment Todibo, Turam qui sont restés et qui étaient pourtant euh, sur le départ. Donc, euh, il a cette chance-là aussi d'avoir un effectif qui se connaît bien, qui a déjà évolué ensemble et qui, bah, qui est déjà bien construit. Et euh, bah ensuite, il a, il a mis en place tout simplement euh, sa patte tactique. C'est un entraîneur qui est très minutieux, qui est euh, très à cheval sur les détails euh, au niveau tactique. Et il s'adapte beaucoup à ses adversaires. Euh, il l'a dit lui-même, hein, il analyse euh, tous les matchs. Euh, il est très très porté sur, sur le détail, sur les points faibles, les points forts de chaque équipe. Et en fait, à chaque match, il essaie voilà, d'avoir une formule un petit peu commune, mais en ajoutant quelques petites touches pour, euh, bah, pour s'adapter et contrer l'adversaire. Euh, on peut par exemple citer euh, contre le Paris Saint-Germain, on avait Youssouf chimier donc numéro 6, qui redescendait souvent entre les deux centraux que sont Dante et Todibo, bah, pour fermer l'espace et empêcher euh, Mbappé de, de prendre la profondeur. Donc voilà, il y, y a beaucoup de petits détails, et euh, comme tu l'as dit, on évolue en, en 4-3-3, mais c'est un 4-3-3 qui est euh, très déformable, dans le sens où les positions des joueurs sont très libres. Alors, euh, ça ne se voit pas beaucoup dans l'animation offensive, parce qu'on est un petit peu stérile, on manque de qualité technique, mais on a euh, voilà, des, des joueurs qui sont responsabilisés, qui sont assez libres aussi de leurs mouvements et de leurs déplacements. Et du coup, euh, ça nous permet d'avoir euh, plus facilement le contrôle du match. Alors on parlera peut-être de cette modélisation et ces déplacements dans, dans la phase pressing de, de mes questions. Euh, mais d'abord, j'allais te demander peut-être si euh, l'impact au duel et la stabilité dans le jeu, c'était un peu ces préceptes un peu plus importants qu'on peut retrouver chez, euh, chez Farioli. Oui, totalement. Euh, bah, l'impact est aussi facilité parce qu'on a, a des joueurs dans l'effectif qui ont une dimension physique importante, qui ont aussi un état d'esprit assez conquérant. Je pense à Dante, Todibo, mais aussi Youssouf. Euh, même Moffi et Laborde, qui sont des offensifs, euh, mettent énormément d'intensité et d'impact dans les duels et les courses. Donc on a un effectif aussi qui a de grosses ressources et peut-être les meilleures ressources en Ligue 1 euh, sur ce plan-là. Et, euh, et au niveau... Euh, Excusez-moi, j'ai perdu ouais, la, deuxième... la stabilité dans le jeu. Voilà, ouais, la, ouais, la stabilité dans le jeu, bah, le, le, le but de Farioli, c'est vraiment d'avoir le, le contrôle du match. Donc euh, pour lui, la stabilité, c'est pas avoir non plus tout le temps le ballon et dicter le rythme du match, mais c'est aussi être capable de défendre et de garder de la stabilité en défendant, mais aussi en attaquant. Donc en fait, c'est un contrôle de toutes les séquences du match. Donc euh, c'est ça qui est très très intéressant avec Farioli c'est que son équipe maîtrise plusieurs, euh, plusieurs facettes. Le nice GCNI, est capable de marquer sur des contre-attaques, de marquer sur euh, du jeu de possession, mais euh, aussi d'effectuer euh, par exemple un, un contre-pressing très haut ou alors de se replier et de défendre plus bas. Et ça, c'est une des forces de cet effectif, c'est qu'on euh, s'adapte constamment euh, à la façon de jouer de l'adversaire et aux situations en match. On a parlé évidemment énormément de, de la relation qu'a pu avoir Farioli et, et De Zerbi. Euh, on va d'abord parler du côté un peu défensif. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment euh, se déclenche ou se modélise le, le pressing logiciel Nice à, à Brighton On parle notamment de, de des, des défenseurs qui mettent le pied sur le ballon pour attendre que l'adversaire vienne à eux. Est-ce qu'il y a un peu de sage chez Nice et est-ce qu'ils se retrouvent plutôt euh, en, en sorte de bloc médian euh, avant de déclencher un, un pressing à l'adversaire pour, pour déclencher le pressing, en fait, c'est pareil, ça va, ça va dépendre des phases de jeu. Mais dans le, par exemple, sur une relance courte de l'adversaire, le Nice de Farioli va avoir tendance à essayer d'aller chercher très haut son adversaire, notamment avec Mofi, la borde et Boga. Et après, on est capable de s'adapter. Comme je disais, quand la première ligne défensive est sautée côté Niçois, et bien, il y a un repli défensif qui s'organise. On cherche avant tout à énormément fermer l'axe euh, avec le trident le Churam, Sanson, Youssouf. Et puis il y a aussi des latéraux qui ont un rôle assez intérieur, que ce soit avec ou sans ballon. Et donc ça permet de fermer absolument tous les espaces et les demi-espaces du terrain. Et euh, ça permet d'avoir une, une vraie maîtrise défensive avec des joueurs à distance d'intervention euh, assez courte qui permettent de se couvrir aussi les uns les autres. Et puis, euh, comme je disais, voilà, as, tu as cette, cette facette de Nice qui peut aller chercher haut, mais aussi cette facette qui est capable de rester en bloc médian ou bloc bas et d'attendre l'erreur de son adversaire. Donc, euh, c'est encore une fois de l'adaptation aux séquences de jeu et aux situations de match. Ouais, on a pu voir en ligne un peu des analyses de tactiques, évidemment, de, de Farioli et certaines images où on voit qu'il y a... 3 à 5 joueurs euh, qui sont hyper loin devant, qui sont collés à la ligne de, de surface de l'adversaire. Et par contre, la ligne défensive est vraiment sur la ligne médiane. Donc ça crée une sorte de, de no man's land de milieu de terrain. Est-ce que ça, c'est fait exprès ou est-ce que c'est plutôt l'adversaire qui, qui essaie de, de s'adapter un peu à Bah, Je pense que c'est fait exprès. En tout cas, ce qui se dégage beaucoup dans, le, dans la mise en place du pressing de Farioli, c'est que c'est un pressing au, au marquage un par un c'est vraiment flagrant et on a même nos centraux qui n'hésitent pas à aller chercher très haut l'attaquant qui va décrocher, euh, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain euh, sur le premier but de Mofi par exemple c'est une récupération de Todibo bah, qui en fait va venir suivre le décrochage de Mbappé dans les 30 mètres et euh, récupérer le ballon et en fait euh, on, on pourrait appeler ça un petit peu un marquage en toile d'araignée c'est vraiment du, du 1 pour 1 et euh, suivi de tous les mouvements alors ça peut créer des espaces mais comme il y a beaucoup de compensation derrière et de compréhension tactique de la part de l'équipe, au final, c'est une stratégie qui marche bien, qui permet à Nice de récupérer beaucoup de ballons et de très peu s'exposer. Très bien. Euh, et alors, du coup, on va parler de, de l'offensive, c'est-à-dire qu'il manque peut-être un peu d'efficacité. Ça euh, a été assez évident, je pense, contre, contre Nantes euh, ce week-end. Euh, mais euh, je vais quand même essayer de tirer un peu les, les conclusions qu'on qu a pu avoir, les, les relations qu'on a pu avoir avec De Zerbi. On voit notamment à la relance. Euh, dès le départ, on parlera de, de boulka derrière, mais les, les jeux en triangle pour, pour relancer de, de derrière, avant de partir en, en transition, je pense qu'on a moins de transitions euh, rapides qu'on peut avoir à Brighton, euh, à Nice. Euh, comment est-ce que tu définiras un petit peu la phase offensive de, de ce club C'est vrai que tu disais qu'il y avait moins de transitions euh, rapides entre, euh, par exemple, Brighton et Nice. Je pense aussi que le, le championnat et la façon de jouer de ce championnat euh, impacte ça. Il euh, y a beaucoup plus d'espace à exploiter, je pense, en première ligue qu'en Ligue 1. Donc, euh, moins l'opportunité en Ligue 1 d'avoir ces, ces phases de transition rapides. Et puis, euh, après, la mise en place du jeu de Nice, elle est très classique. Euh, C'est de la relance courte, euh, beaucoup d'utilisation du jeu au pied du gardien euh, Marcin Bulka. Et on cherche vraiment à, à aspirer l'adversaire, en fait. On a vu beaucoup de séquences entre Dante et Todibo, et d'ailleurs, ça a fait parler où les deux centraux bah, s'échangent le ballon en attendant le, le premier pressing adverse pour fixer la première ligne de, de défense et ensuite trouver des espaces au milieu ou sur les côtés. Et pour le moment, cette première relance est efficace, mais c'est surtout dans les 30 derniers mètres que, que Nice a du mal. Euh, ça manque un peu de justesse technique, un peu de créativité, c'est assez stérile. On se crée quand même des occasions, parce que avec la, la possession importante que Nice a, il euh, y a quand même des joueurs aussi euh, capables de faire des différences, comme Mofi, comme Boga, comme Turam aussi. Et ça nous permet d'avoir des occasions, mais euh, c'est encore trop peu, je trouve, euh, vu le potentiel de cet effectif. Et puis, il y a eu aussi un, un manque dans, dans l'efficacité euh, offensive. Euh, on, on vendange beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de de situations mal négociées par nos attaquants et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Ouais, on a pu voir que quand même les meilleures performances de Nice sont venues peut-être contre des blocs plus hauts comme le, le PSG notamment, euh, où la relance était peut-être un peu plus longue, où on allait faire des déviations sur la borde et, et Maufi avant de partir en profondeur. Euh, comment est-ce que euh, Farioli peut adapter son jeu pour être un peu plus efficace devant Parce que c'est une chose d'être la meilleure défense euh, au moins de Ligue 1, si ce n'est d'Europe. Euh, mais après, il faut quand même marquer quelques buts pour euh, continuer de, de rester sur les devants. Effectivement, mais je pense qu'il y, y a un travail à faire sur la proximité de nos offensifs aussi. Euh, moi, de ce que je remarque, c'est qu'on a nos ailiers, donc Laborde et Boga, qui sont quand même très souvent excentrés, collés à la ligne. Euh, Mophi qui est euh, vraiment euh, un peu esselé dans la zone défensive adverse. Et euh, nos milieux qui apportent trop peu de soutien offensif, euh, que ce soit euh, Thuram, Sanson, euh, même Boudaoui, même si Boudaoui, on, on l'a un peu plus vu se projeter, mais pour le reste, c'est trop peu dans les 30 derniers mètres il y a trop peu de différences individuelles en, en 1 contre 1, il y a trop peu de passes cassantes. Euh, donc voilà, ça manque un peu de, de prise d'initiative, de prise de risque. Et, et c'est peut-être ça aussi. Il euh, faut, faut que les joueurs euh, ne se fixent pas comme objectif de, de bien défendre, mais aussi de se lâcher offensivement, d'essayer un peu plus de choses au lieu de rester sur un jeu très stéréotypé. Et puis euh, ça peut venir aussi au mercato au d'hiver, euh, où Nice euh, peut attendre peut-être un milieu créatif ou un ailier supplémentaire pour euh, avoir des options différentes et euh, ça pourra aussi débloquer ce, ce problème-là côté niçois Ok on va parler d'un de, de des, des grands artisans aussi de la bonne stratégie défensive entre guillemets de, de Nice et c'est évidemment le, M. Boulka dans les buts euh... Évidemment, le, le passé de, de Farioli euh, dit que forcément le gardien va être très important avec son, son expérience de coaching de gardien et, et son expérience de gardien tout court. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il peut enseigner ou qu'il enseigne actuellement à Boulka qui n'était quand même pas forcément euh, attendu à ce niveau-là euh, cette saison Je pense que euh, Boulka, là où il a énormément progressé depuis que Farioli est arrivé, c'est sur son jeu au pied. Il est beaucoup plus en confiance et euh, on le voit de moins en moins rater de passes, de dégagements. Euh, le, le progrès est flagrant à ce niveau-là par rapport aux saisons précédentes. Après, euh, Bouka a toujours été un excellent gardien sur sa ligne et dans les airs. Ça, ça, ça a toujours été le cas. Mais euh, là, c'est vrai qu'au pied, euh, il n'était pas réputé pour avoir une relance excellente. Et puis, euh, je trouve que depuis. Euh, bah vraiment depuis le mois de juin, il a fait des progrès énormes, même dans la préparation. On voyait qu'il était un peu en difficulté sur certaines phases de jeu de relance. Là, euh, en ce moment, il est vraiment très à l'aise, très serein. Et ça permet aussi de rassurer sa défense et d'avoir une option en plus à la relance. Donc euh, je pense que Farioli il a beaucoup insisté sur ce, sur ce plan-là, qui est à la base de son jeu offensif. Donc pour lui, c'était un peu la, la clé et la pièce maîtresse de, de la mise en place de son jeu de possession. Okay. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'infos forcément en dehors du terrain, mais on parle beaucoup de, de Farioli en tant qu'un qu peu un obsédé qui, qui, qui pense tout le temps au foot, qu'il a des avis extérieurs. J'ai l'impression qu'il y a un quatuor de, de personnes qui, qui viennent l'aider là-dessus aussi. Euh, en termes de préparation et peut-être d'utilisation de la data, tu, tu le vois comment euh, Farioli, c'est un mec un peu aligné avec son temps, euh, vu qu'il a, a 37 ans, donc c'est plutôt une nouvelle génération euh, très data, ou est-ce que c'est est un truc à peu près euh, commun euh, qui juste l'utilise euh, à bon escient C'est quelqu'un qui, bah, comme tu dis, qui est très curieux, qui a toujours voulu beaucoup apprendre, il a fait non, notamment des études de philosophie, des choses comme ça, donc c'est quelqu'un en fait, de, de très ouvert et qui est en constante réflexion. Et euh, je pense que c'est un entraîneur, on va dire, moderne, dans le sens où euh, il, va il va utiliser chaque outil à sa disposition et essayer d'en tirer un maximum. Donc euh, forcément l'analyse vidéo, il a un, adjoint, un nouvel adjoint en analyse vidéo qui l'a rejoint aussi cet été. Et puis euh, l'analyse de data euh, aussi qui est très présente. Euh, il l'a dit, les joueurs l'ont dit aussi, euh, ils analysent énormément de, de matchs, énormément de data pour préparer justement les rencontres à venir et euh, essayer de s'améliorer aussi de leur côté sur euh, les choses qui ne fonctionnent un petit peu moins bien euh, aujourd'hui. Bon, on va compléter là-dessus. Euh, évidemment, on a parlé de, de l'efficacité offensive et du manque de créativité. Est-ce que c'est là l'axe principal à améliorer pour, pour rester dans le, le haut de tableau pour Nice oui totalement je pense que aujourd'hui la, la ligue 1 est d'un niveau quand même assez faible on profite aussi du fait que des équipes comme monaco ou Rennes ont, ont un petit peu galéré au, au démarrage et, et du coup nous comptablement parlant on était bah, vraiment bien et du coup ça nous a permis de nous détacher mais je pense pas qu'on puisse tenir toute la saison avec une qualité de jeu comme celle qu'on voit aujourd'hui même si Nice est très pragmatique et pour le moment ça paye, mais comme on l'a vu ce week-end contre Nantes par exemple, on a perdu, donc quand la réussite ne nous sourit pas, ça peut ne plus fonctionner, et je pense que c'est très important pour Nice bah, d'avoir une d'avoir une arme en plus et du coup de, de travailler cette, euh, cette créativité, cette, euh, cet talent offensif et cette prise d'initiative bah, tout simplement pour se montrer euh, beaucoup plus dangereux et réussir à débloquer des matchs un peu plus fermés où, euh, où l'adversaire va nous attendre un peu plus bas, où les espaces seront très fermés. Super. Bah, écoute, la dernière question que je vais te poser, c'est plutôt en tant que supporter, tu, tu vois Nice euh, terminer où euh, en fin de saison euh, je pense qu'on a les moyens de, de finir dans le top 4. Il faut savoir que l'objectif, c'était le top 6 à la base. Euh, Aujourd'hui, il y a Paris et Monaco que, que je vois finir sur le podium. Et euh, derrière, on, on sait que quand même euh, Lance revient bien. On a Lille aussi qui, qui est là. Reims qui peut être une belle surprise. Mais je pense que Nice, en, en restant sérieux, on a... En ajoutant un petit peu de créativité, peut-être au mercato, mais aussi tout simplement en progressant sur la deuxième partie de saison, Nice a de quoi jouer le top 4. Et pour moi, avec le classement aujourd'hui, ça devrait être l'objectif à se fixer pour les joueurs. Top. Juste, je viens d'y penser, on le mettra peut-être pas forcément dans l'enregistrement, c'est plus pour notre préparation à nous. Évidemment, il y a toutes les infos de Neos qui rachèterait Manchester United. Est-ce que ça peut faire peur aux supporters niçois qui se disent que United, c'est évidemment un, entre guillemets, un plus gros projet euh, pour Ineos et qui lâcherait peut-être Nice dans les, les mois qui viennent bah Effectivement, ça peut faire peur euh, dans le sens où il y, y a un petit passif, c'est-à-dire que il euh, y a un an, jour pour jour, on promettait à Florent Ghisolfi euh, des moyens assez conséquents pour le mercato estival 2023. Et puis euh, au final, euh, en mai dernier, bah, le, la feuille de route a un petit peu changé quand les contacts avec Manchester euh, se sont créés, euh, puisque euh, bah, les robinets ont été coupés. Hein, le budget mercato a été euh, totalement restreint euh, moins de 25 millions d'euros pour, euh, pour cet été. Et euh, ça, ça peut faire peur, dans le sens où on a senti quand même un frein à investir à l'OGC Nice. Alors, ça a été dit sous le, sous le terme de changement de projet, de recentrer sur l'essentiel et, et moins de dépenses pour dépenser plus intelligemment. Mais la réalité, c'est que bah, Ineos a, a prévu de moins investir dans l'OGC Nice. Euh, en tout cas, c'était ce qui se disait cet été. Et euh, c'est. Totalement en relation avec euh, bah, le, la prise de 25% des parts du club par Jim Ratcliffe et, et par Ineos. Donc euh, ça peut faire peur. On sait que, que euh, c'est le rêve de Jim Ratcliffe d'avoir Manchester United. Euh, nice n'est peut-être qu'une étape pour lui. On n'a pas trop d'infos là-dessus. C'est assez flou à notre niveau, mais euh, l'inquiétude peut être légitime en tout cas euh, sur ce niveau-là. Ok, top. Merci beaucoup. Alors, attends, je vais... Merci à toi.